Si je devais utiliser un mot pour qualifier la conférence Disney D23, je dirais que le premier qui me vient en tête, c'est sans doute pitoyable. Il y a eu plusieurs petits panels, il y a eu plusieurs petites choses, mais quand on voit que les meilleurs trucs, ce sont des choses filmées avec un Samsung Galaxy S7 Edge, c'est sûr que ça fait un petit peu chier. Alors je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on aille directement voir le contenu de cette Disney D23, du côté de Marvel Studios. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner pour mettre un petit peu de super-héroïsme dans votre vie, je vous invite également à laisser un pouce si cette vidéo vous plaît, et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur cette chaîne. Le panel a bien évidemment commencé avec le trailer de Captain America Brave New World, un trailer inédit pour ceux qui étaient présents à la D23 mais qui a évidemment fuité en ligne. Ce trailer est plutôt intéressant. J'ai pu donc voir le trailer qui a fuité en ligne et j'avoue que je l'ai même préféré au premier qu'on a pu avoir officiellement. On a un bien meilleur aperçu du personnage de Joaquin Torres dans le rôle de Falcon, de nouveaux aperçus du personnage de Giancarlo Esposito et surtout beaucoup de Captain America, mais la chose qu'on retient évidemment de ce trailer, c'est le premier vrai visuel du personnage de Red Hulk, Harrison Ford. J'ai vraiment hâte de le voir rétamer le professeur Hulk comme le binoclard qui se fait rétamer à l'école. Nous avons également eu le droit à un visuel de Florence Pugh dans le rôle de Yelena Belova pour le film Thunderbolts. Lors d'un montage des prochaines productions Disney à venir, on a eu le droit à cette petite image, qui a donc choisi de prendre le look de sa sœur dans le film Avengers Infinity War. Une belle manière de rendre hommage à Natasha Romanoff. Évidemment, vous vous en doutez, on peut ne pas faire une convention Disney et parler de Marvel sans évidemment parler de Fantastic Four. Bon, encore une fois, c'était léger, mais on a eu le droit au premier visuel du costume, en tout cas du costume qu'aura Johnny Storm. Il y a fort à parier que si Johnny possède ce costume, c'est que les 4 Fantastiques auront tous les 4 le même costume. Bon, j'avoue que j'ai pas mal de réticence quant à ce premier costume, mais évidemment, je pense qu'ils en auront plusieurs dans le film, il faut vendre des pop. Alors oui, je vais pas dire le contraire, il est clairement dans la veine de ce qu'ils veulent nous vendre, c'est-à-dire un New York rétro-futuriste des années 60, donc le look rétro va très bien avec, mais encore une fois j'ai un petit peu de mal, mais ça c'est des goûts subjectifs. On le sait, ils sont actuellement en tournage, donc pour le film Fantastic Four, et d'ailleurs on a eu le droit à cette image de tournage de Vanessa Kirby tenant un bébé qui pourrait très bien être Franklin ou Valeria Richards. En tout cas, clairement c'est le film Marvel que j'attends le plus l'année prochaine, parce que les retours des 4 Fantastiques au cinéma, ça me rend juste absolument dingue. Nous avons ensuite eu le droit à un petit panel concernant la série Ironheart. Alors c'est marrant qu'il l'évoque, parce qu'on pensait vraiment que cette série était peut-être annulée alors qu'elle a fait complètement son tournage. On a eu le droit à quelques petites images promotionnelles qui montrent la nouvelle armure de Riri Williams. Encore une fois, une des armures, car rien que les images de tournage nous ont montré qu'elle en aurait plusieurs. Pour l'instant, quand je vois cette armure, c'est déjà beaucoup mieux que dans Wakanda Forever. Ils ont évidemment eu le droit sur place et nous non à un petit footage montrant Riri Williams en train de construire son armure et en train de développer une intelligence artificielle pour celle-ci. Elle aurait fait des affaires pas très légales afin d'obtenir de l'argent avec le personnage de Anthony Ramos qui possède des tatouages surnaturels sur son dos. Pour rappel, il va incarner le personnage de The Hood. Ils vont donc faire des affaires pas très légales afin qu'elle obtienne de l'argent pour justement construire sa nouvelle armure. Pas encore de date officielle pour cette série, mais à mon avis, ça ne saurait tarder. Au fond de moi, j'avoue que je pensais qu'elle sortirait peut-être d'un coup cette année ou en début d'année prochaine, un petit peu à la manière de Echo, avec tous les épisodes qui sortiraient d'un coup. Mais visiblement, ils croient en cette série, alors bon. Voyons bien. Il y a également eu un nouveau trailer pour la série Agatha All Along. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à me hyper pour cette série. En plus, c'est un peu gênant. Ils essayent de faire croire que Wanda est absolument dedans alors qu'on sait tous qu'elle ne sera pas présente. Donc j'avoue que ça m'exaspère un petit peu. Et pour le coup, cette bande-annonce est plus tournée sur le côté humoristique qu'autre chose, je trouve. Là où j'avais préféré la première qui avait une petite ambiance un petit peu sombre. Par contre, j'aime énormément la vibe Halloween que le trailer essaye de nous montrer. Il n'y aura pas de décryptage parce que bon, tout le monde s'en fout. Mais j'ai quand même hâte et je suis quand même curieux de voir cette série. Mais vous savez ce qui m'intéresse encore plus qu'Agatha Common of Chaos, c'est évidemment la série Daredevil Born Again. Je suis un énorme fan de la série Daredevil. Et encore une fois, ils ont eu le droit à un footage exclusif à la D23, et nous non. Heureusement que Brandon Scott ou Pete a sorti son Wiko Rainbow afin de nous faire une petite vidéo pour nous montrer ce trailer, parce que sinon ça m'aurait vraiment saoulé. Mais je dois avouer que même dans une qualité absolument médiocre, ce trailer me vend tellement du rêve, j'ai adoré, et on va tout de suite décrypter tout ça. Ce trailer marque le retour notamment de Frank Castle, où il s'affronte justement avec Matt Murdock avant de discuter. On voit également Wilson Fisk et Matt Murdock qui ont une conversation dans un restaurant. Il lui dit qu'il va le maintenir dans le droit chemin et ils semblent tous les deux collaborer pour se battre contre une menace plus grande. Car oui, on le sait, dans la saison 3 de Daredevil sur Netflix, Wilson Fisk a fini par apprendre que Matt Murdock était Daredevil. Et ici, il cherche peut-être à justement l'embaucher pour faire face justement sûrement au personnage de Muse qui nous offre un premier visuel qui est absolument incroyable. Je sens que je vais adorer ce personnage, un personnage complètement fou et une série vraiment hérétique. À un moment donné dans ce trailer, justement, on voit Matt qui va ouvrir son armoire. Et dans cette armoire, il y a 5 masques de Daredevil. Le jaune de
2, She-Hulk, les masques qu'il a pu avoir dans la série Netflix, un gris et évidemment le costume emblématique noir et rouge que j'espère on aura peut-être le droit de voir dans cette série, même si c'est que dans une scène flashback, ça pourrait être grave cool. En tout cas, avec ces 5 masques, on sent qu'il s'en est passé des choses pour notre petit Daredevil. Le trailer nous montre également la présence de White Tiger, donc lui on savait qu'il serait présent dans cette série. C'est donc un White Tiger masculin, donc je dirais vraiment qu'il y a pas mal de chances que ce soit Hector Ayala. Et sinon, le trailer nous montre bien évidemment les personnages de Foggy Nelson, Karen Page, mais également de Bullseye, qui seront donc tous de retour dans cette saison de Daredevil Born Again. Encore une fois, je pense que Marvel Studios a pris la meilleure décision possible pour cette série, en faisant la continuité à celle de la série Netflix. C'est probablement la meilleure décision qu'a pris Kevin Feige ces dernières années chez Marvel Studios, y a aucun doute là-dessus. Voilà, c'est tout pour cette Disney D23, donc comme dit, c'est assez décevant après une Comic-Con qui a déjà été assez décevante, mais qui a su quand même faire parler avec cette grande annonce de Robert Downey Jr. dans le rôle de Dr. Doom. Mais bon, comme dit, on s'attendait à avoir pas mal d'annonces de projets, etc., et rien du tout. Et je commence un petit peu à cerner la stratégie de Marvel Studios. En fait, ça se voit qu'ils veulent absolument en finir avec cette multiverse saga, et je pense pas qu'on aura l'annonce de nouveaux projets avant la fin de justement de cette saga et Avengers Secret Wars, et ce petit soft reboot, voire même reboot total qui arrivera après. Je pense qu'après ce film-là, justement, on aura un maximum d'annonces, surtout pour la saga des mutants qui devrait être le nom de la prochaine grande saga. Et en attendant, je pense qu'on aura des petits projets annoncés par-ci par-là, comme Wonder Man, qui on sait est en développement et doit sortir officiellement, et qui sera labellisé du coup sous Marvel Spotlight. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces différentes petites infos qu'on a pu avoir lors de cette Disney D23, et on se donne rendez-vous très bientôt à Hell's Kitchen.